Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Femme, ta foi est grande ». Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans « Pasteur, j'ai une question », Jonathan répondra à la question « Comment faire pour motiver mon mari à venir à l'église ?». Nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Annabelle nous présentera le livre de la semaine « Femme de foi de Debbie Lindell. Et pour terminer, Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme dont le mari a été libéré d'une addiction à la télévision. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Je devrais dire toutes. Ah non, Jonathan est là. Pas là mon côté féminin ou... Non, il n'y a pas de côté féminin. Un côté féminin. Moi non plus. Je proteste. Je le cherche encore. Ton côté macho, alors. Oui, ça, c'est toi qui le dis. Hein. Je ne répondrai pas. Macho, pas non, non, on est dans les clichés. Bon, en fait, Annabelle, tu remplaces Nadine encore cette semaine. Nadine, qui m'a autorisée à révéler les raisons de son absence. Nadine s'est malheureusement cassé une jambe. Et oui, donc si vous voulez... J'ai poussé dans les escaliers pour pouvoir prendre sa place. Nadine, quand tu verras ça, tu t'accoucheras avec Annabelle. Si vous voulez prier pour elle, elle reçoit très volontiers vos prières. Mais elle va bien, sachez-le, simplement, elle va être remplacée pendant quelques semaines. Espérons le moins possible, n'est-ce pas Annabelle? Ah bah, on verra. On lui souhaite un prompt rétablissement. Mais oui, absolument. Et peut-être que cette émission, pour les femmes, spéciale femmes, messieurs, vous pouvez la regarder, Jonathan est là, vous voyez, donc il aura certainement des bonnes paroles pour vous, messieurs. Une émission pour les femmes, la femme des fois, la foi des femmes. La foi des femmes est grande, celle des hommes aussi, mais aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur celle des femmes et on va en parler avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Femme qui prie, l'enfer plie ». J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. On commence très fort cette semaine, dans la bonne humeur et aussi avec de la poigne. Je vais vous parler de championne aujourd'hui, et pas de championne olympique, ni de championne des reines du shopping, quoique les femmes soient souvent expertes en la matière, mais de championne d'une autre discipline, plus glorieuse celle-là, celle de la prière. J'ai souvent raconté dans des rubriques flashback à quel point Dieu se servait de femmes et s'est servi dans l'histoire de femmes pour préparer de puissants réveils. Et il y a une histoire parmi elles qui m'attendrit particulièrement et qui m'édifie. C'est celle de deux petites grand-mères écossaises des années 50. C'était deux sœurs de 82 et 84 ans respectivement qui vivaient ensemble dans une petite maison d'un village des îles Hébrides. Vous savez, c'est au large de l'Écosse, là, très au nord de l'Europe. Et elles s'appelaient Christine et Peggy Smith. Alors, Peggy ne voyait plus rien, elle était aveugle et sa sœur Christine avait tellement d'arthrite qu'elle était pliée en deux. Mais leur état physique ne leur permettait pas de se rendre à l'église, alors elles avaient transformé leur maison en lieu de prière, un haut lieu saint où elles rencontraient Dieu. Et si leur corps était usé, leur esprit était bien vaillant et elles étaient des sentinelles de prière puissantes. Et une nuit, alors qu'elles étaient dans la présence de Dieu, elles ont reçu une promesse et Dieu leur a dit « Je déverserai de l'eau sur celui qui a soif et qui habite une terre desséchée ». Alors comme elles étaient convaincues que ça venait vraiment de Dieu, elles ont redoublé d'ardeur devant le trône de Dieu jour et nuit pour que cette promesse s'accomplisse. Et une nuit, Peggy a reçu la révélation que le réveil allait venir dans leur église et que leur église serait à nouveau remplie de jeunes gens fervents. Alors elle a averti son pasteur de se préparer un temps de visitation particulier
et aussi d'avertir les anciens, les diacres, de se préparer parce que quelque chose de grand allait arriver. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais me réserver le punch pour un flashback, mais toujours est-il que Dieu s'est servi de ces deux femmes puissamment pour être des sentinelles et pour combattre avec force et courage dans la foi pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Et comme je vous le disais, elles ont prié pour le réveil, et le réveil annoncé est arrivé avec puissance et force entre 1949 et 1962, 1959 et 1962. Alors Dieu déploie sa force quand il trouve des cœurs fidèles, prêts et obéissants, qui sont prêts à recevoir ses instructions. Il ne prend pas quelqu'un au hasard, il va chercher sur qui il peut compter. Il va chercher sur qui il peut compter d'abord pour être sensible à sa voix, et aussi pour croire sans réserve à l'accomplissement glorieux de ses promesses. Et aussi quelqu'un qui va se tenir à la brèche, dans un bras de fer avec l'ennemi, parce que vous vous doutez bien que l'ennemi va tout faire pour essayer d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Donc il va chercher des gens fidèles, obéissants et prêts à payer le prix dans la prière jour et nuit pour se tenir à la brèche. Et je vous rappelle Ézéchiel 22:30 qui dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Et il conclut « Mais je ne le trouve pas ». Quand les femmes prient, l'enfer plie. Et ça, c'est un sujet de grâce et de gloire. Mais il y a une question qui se pose, parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, certainement d'ailleurs, et vous vous dites, mais est-ce que les femmes ont le monopole de la puissance dans la prière? Et il se trouve certainement, je l'avoue, hein, des hommes fidèles, consacrés, qui sont aussi prêts à relever des défis. Mais alors pourquoi, vous allez me dire, on retrouve si souvent des femmes qui sont dans l'arrière-plan de puissants réveils? Quand on étudie les réveils, on voit que souvent, il y a eu des femmes à la base de ces puissants réveils. Alors certains disent que les femmes sont plus sensibles au Saint-Esprit que les hommes. Ben, ça me flatte, mais quand même, je ne suis pas tellement sûre de ça. Parce qu'il y a quand même la prophétie de Joël, hein, Joël 3:1, qui dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair, sur homme, homme ou femme, jeunes ou vieux, tout le monde est concerné. Mmh. Et Dieu ne fait pas de classement spirituel parmi ses créatures. Il n'y a pas l'élite spirituelle chez les femmes et puis les autres. Mmh. C'est-à-dire tout le monde est concerné. Mais c'est vrai que Dieu va chercher des gens fidèles. Et qui trouve-t-il parmi ces gens fiables pour porter ses projets? Eh bien, il faut reconnaître qu'il trouve massivement des femmes qui vont se rendre disponibles et qui passent du temps à sonder les Écritures et qui ne sont pas avares de leur temps pour chercher la face de Dieu. Ils sont, comme dit Habacuc 2:1, elles sont à leur poste, se tiennent sur la tour pour voir ce que l'Éternel dirait. Et c'est vrai que jusqu'à une période encore récente, massivement, il y avait des femmes dans cette position de prière fidèle et persévérante. Et surtout des femmes d'un âge mûr, comme dans l'anecdote que je viens de vous raconter. Des femmes qui étaient libérées de leurs obligations familiales et qui passaient leurs journées, parfois des nuits, à intercéder pour le royaume, pour leurs enfants, leurs familles, leurs voisins, leurs églises, leur pays. Et c'est avec application, comme vous connaissez Anne, fille de Phanuel, dans Luc 2:37, il est dit qu'elle était restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Mmh. Il existe encore des femmes comme ça, et gloire à Dieu pour leur vie consacrée. Cependant, avec le rythme de folie de l'époque actuelle, la multiplication des distractions, tout le monde passe de moins en moins de temps devant la face de Dieu, et même les plus zélés se font manger leur temps. Et vous savez que les femmes, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont massivement entrées sur le marché du travail. Mmh. Je ne leur reproche pas, j'ai aussi travaillé moi, mais elles n'ont pas plus de temps maintenant que les hommes. Tout le monde s'est fait happer par le tourbillon de folie qui a surpris ce monde. Et le royaume est en passe de perdre une immense richesse. Alors je lance un appel aux femmes de prière, persévérez et ne lâchez pas. Si vous faites partie de cette race en voie d'extinction, ne lâchez pas, car entre vos mains se trouve le destin de notre génération, la clé des réveils à venir et l'abattage systématique des forteresses que Satan érige. Et vous êtes ces femmes puissantes qui vont gagner ces forteresses. Alors que tout le monde soit à son poste, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, et que tout le monde se tiennent à la brèche, mettons tous du temps à part pour chercher plus la face de Dieu avec avidité et rendons-nous tous disponibles pour que l'Esprit de Dieu puisse nous trouver disposés à lui obéir et à combattre à ses côtés. Mmh. Et je voudrais dire, le parallèle de mon titre, c'est quand le peuple prie,
que l'enfer plie. Mm-hmm. Alors prions. Amen. Amen. Merci Anne de nous rappeler des choses importantes. Mm. C'est vrai que ce n'est pas spécifiquement les femmes. Aujourd'hui, on met les femmes à l'honneur dans cette émission, mais il y a des hommes persévérants, des hommes qui ont su fléchir le genou, mm-hmm. qui ont su recevoir de Dieu des promesses qu'ils avaient reçues parfois des années auparavant. Ouais. Mais il y a une réalité, c'est vrai que les femmes, déjà, dans une future époque, avaient plus de temps, mais aussi ont cette hargne, cette force, cette persévérance, qu'il s'agisse de leur enfant, qu'il s'agisse du salut de leur mari, qu'il ouais. s'agisse d'un besoin pour une sœur, pour un frère, dans l'église, peu importe. Mmh. Il y a ce côté de prendre les choses très, très à cœur ouais. et de s'approprier certains combats, en fait, jusqu'à voir l'accomplissement. Et c'est ça en quoi les femmes ont une force, mmh. cette force dans la prière. Certes, la Bible dit hein, que les femmes sont plus faibles que les hommes, peut-être physiquement, mais dans la prière, ouais. je pense qu'il n'y en a pas un qui soit plus fort que l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on parle des femmes aujourd'hui ? Pas parce que les femmes sont meilleures que les hommes, pas du tout, mais parce que les femmes ont tendance parfois à se sous-estimer un petit peu, ouais. à attendre, excusez-moi, que leur mari prenne le relais... Décidément, je vais y arriver. Prennent le relais dans la prière, dans certains combats, s'appuient sur leur mari, la foi de leur mari, se cachent un petit peu derrière la foi de leur mari, alors qu'en fait, elles ont en elles la capacité ouais. de déplacer des murailles aussi, ouais. de transformer certaines circonstances, certaines situations ouais. dans la prière. Et on en a un exemple, c'est notre verset du jour dans Matthieu 15, 28. Vous vous souvenez de cette femme qui est venue à Jésus, le suppliant de délivrer sa fille. Et Jésus a fini par lui dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Je vous rappelle que dans cette histoire, cette femme n'était pas juive, mmh. qu'elle n'était pas censée recevoir quoi que ce soit de Jésus, et Jésus lui a même la même traité de chien, qui était quand même dur, oui, c'est vrai. Mais sa foi a réussi à faire flancher même le cœur de Jésus. Et non seulement sa foi est grande, mais... Tu vas passer ton temps dans la gorge. On a tous un chat dans la gorge. Il y a un chat sur ce plateau. Donc, il y a un chien et un chat. Donc, non seulement sa foi est grande, mais Jésus va dire après qu'en Israël, il n'a pas trouvé une foi aussi grande. Mm-hmm. Et donc, il est en train de dire, mais c'est une foi, je n'ai pas vu une foi aussi grande, ouais. même en Israël. Puis en plus, c'est une femme qui est d'origine syrophénicienne. Mm-hmm. Mais oui, mesdames, votre foi est aussi importante que celle des hommes. Je veux dire, la prière, quand on lit l'apôtre Jacques, qui dit « c'est la prière de la foi qui relève le malade », c'est la prière de la foi, que ce soit un homme ou une femme, un enfant ou un vieillard, ouais. c'est la prière de la foi. Oui. Et quand il y a des femmes qui se lèvent avec foi, persévérance, conviction, ben ça fait une différence. Donc, il n'y a pas une question de genre ici, ce n'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on va dire « parce que je suis une femme, je ne peux pas ». La place est pour tous, et même on a souvent tendance à dire, puis ma femme ne me contredira pas, que derrière eh bien, un homme ah de non, Dieu… à côté. À côté, elle te contredit. À côté d'un homme de Dieu, d'un grand homme de Dieu, il y a toujours une grande femme de Dieu. Et c'est vrai, parce que ça fonctionne ensemble, et souvent, la femme, c'est le côté immergé de l'iceberg, mais c'est le plus gros morceau. Mais là, je suis insultée. Qui le morceau gros le plus important. Qui est gros? Le morceau le plus important. On voit ce qui est visible. Et des fois, on voit un homme de Dieu, on voit un ministère. Mais le temps dans la prière et comment dire, cet apport féminin est capital. Puis, on parle des femmes. Certainement, il y a une question de fibre maternelle aussi. Oui, ouais. Parce que dans la prière... Il y a une notion de compassion. Mm-hmm. C'est pas une prière technique. On n'est pas en train de lire une prière ou de faire une prière ou de réciter mm-hmm. une prière, mais on prend à cœur. Oui. Mm-hmm. Et les femmes particulièrement, avec une sensibilité maternelle, vont prendre à cœur des situations qui vont du coup les pousser à peut-être mettre plus de cœur justement dans la prière. Oui. Bah, comme cette femme d'ailleurs. On voit qu'elle a un petit peu cassé tous les standards de ce qu'on pourrait appeler la prière, la manière dont elle s'est approchée de Jésus, c'était pas du tout standard. Tu ne dis pas c'est quelqu'un qui a fait une école biblique, elle est au courant. Apparemment, elle était juste décidée et déterminée, et c'est ça qui a touché Jésus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à la fois des femmes se disqualifient parce que elles sont ce gros morceau. Une baleine.
Tu vas finir l'émission, il va y avoir des règlements de compte. Tu vas pouvoir te rattraper dans ton best-of, j'ai une question. On va voir. Parce que quelquefois, là, c'est ça, les femmes, elles peuvent se sentir pas à la hauteur. J'ai pas les connaissances bibliques, moi je peux pas prêcher, j'ai pas fait l'école biblique, j'en sais pas autant que mon mari ou que frère un tel, etc. Mais on voit que cette femme, elle s'est pas enquiquinée avec tout ça, elle s'est dit, ma fille a un besoin, je vais aller voir Jésus. Et puis, je dis pas que la connaissance est inutile, hein, parce que ça va rendre notre prière plus efficace, enfin, on va gagner du temps, probablement, mais c'est pas une limite non plus. Bon, faut d'abord que je fasse une école biblique avant de pouvoir prier, d'avoir le droit de prier, que ma prière soit exaucée. Non, avec un cœur qui aime le Seigneur, peut sortir des perles comme de cette femme, en fait. Oui. Mais moi, j'ai vu dans les églises plutôt des femmes qui étaient quand même disposées. Ouais. Et vraiment dans des ministères comme l'intercession, où les personnes prient souvent. Mais moi, j'ai souvent vu qu'il y avait beaucoup de femmes dans ces positions-là. Ouais. Parce que, en fait, au fond, c'est comme elles ont cette disposition en fait, pour le faire. Je pense que les hommes l'ont aussi. Il n'y a pas. C'est pas con. Voilà, il n'y a pas de compétition. Ouais. Merci. Elles ont cette disposition-là. Et. Moi, quand j'écoutais Anne parler, j'avais vraiment ce truc quand Dieu il dit voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et Dieu cherche justement des personnes qui vont inviter son règne dans des situations, inviter sa présence, que lui il prenne vraiment le relais pour que les choses qu'il a planifiées, bah, telles que c'est fait au ciel, mais que ça arrive sur la terre. Et les femmes, elles ont ces dispositions pour aller vers le Seigneur. C'est pour ça que là, on parlait d'un cœur rempli de compassion, mais la compassion qui peut se dégager entraîne qu'on se plie vers le Seigneur et qu'on fasse des prières qui invitent le règne de Dieu dans les situations. Et c'est ça que Dieu cherche. Mmh. Dieu cherche vraiment des personnes qui vont prier pour inviter son règne dans les situations. Et quand on est disposé à le faire, comme cette disposition qu'on peut voir auprès de plusieurs femmes dans l'Église, mais ça facilite les choses et ça entraîne le réveil, ça entraîne différentes choses qui font que ben, on peut voir la gloire de Dieu aussi. Mm-hmm. On ne peut pas se limiter dans ces choses-là. La force dans la prière, ce n'est pas du muscle, c'est vraiment cette connexion qu'on peut avoir avec Dieu pour saisir son cœur et pouvoir le révéler et pouvoir appeler ces choses à l'existence. Oui. Mais je ne sais pas si c'est une hypocrisie, en tout cas un aveuglement, et je l'ai souvent rencontré, pas dans toutes les églises, mais il y a certains chrétiens qui ont quand même une petite... La prière, c'est comme si c'était moins important que la prédication de l'Évangile. Il y a un petit côté... Ce qui est important, c'est ce qu'on voit, c'est d'être sur l'estrade, de prêcher, de chanter, d'être visible. Mais ça, je pense que c'est un mensonge. Parce que ce qui est fondamental, c'est la prière. Mm-hmm. Parce que sans la prière, il n'y en a pas de prédication efficace. Il peut y avoir une prédication, mais elle ne sera pas efficace. Oui. Sans la prière, il n'y en aura pas de louange efficace non plus. La prière, c'est le nœud. C'est le nœud de notre vie parce que c'est notre connexion avec Dieu. S'il n'y a pas de prière, le reste est inefficace et complètement inutile. Sans puissance. Et souvent, justement, dans notre groupe Connexion, cette semaine, il y avait une chère sœur qui disait ça, partageait ça. C'est une femme qui est quand même d'un âge mûr. Elle disait, mais des fois, je suis toute seule à la maison, je me sens un peu inutile, alors je prie. Mmh. Et je veux dire, dans la même phrase, elle avait dit le contraire du début. Oui. Eh bien, si tu pries, t'es pas inutile. Amen. Si tu pries, t'es un pilier de l'Église. Si tu pries, t'es... Comme nous, on avait une maison avant et il y avait un espèce de pilier en métal en plein centre de la maison qui descendait jusqu'au sous-sol. On voulait faire des rénovations et l'entrepreneur nous a dit surtout ne touchez pas à ce pilier-là, il soutient toute la maison. Et si vous enlevez le piquet, là, boum, tout risque de tomber. Et les femmes qui prient chez elles, elles font peut-être pas de bruit aux yeux des humains, mais dans les cieux, elles font beaucoup de bruit. Et c'est elles le pilier qui soutient tout l'édifice. Et être chez soi et prier, c'est être extrêmement efficace et très utile à l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des femmes, beaucoup, beaucoup de femmes. Mais il y a aussi des hommes qui sont peut-être au chômage ou en retraite. Ben, messieurs, mettez-vous-y. Parce que là, vous serez vraiment des piliers de votre Église. Parce qu'on ne le voit pas, ça ne s'entend pas. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de prestige à prier chez soi quand personne ne te voit. Et l'humain, la chair est là, elle veut être vue. J'allais dire, c'est quasiment... C'est notre chair. Bon, elle est là. Et on veut toujours que ce qu'on fait soit vu. Oui. La prière ne se voit pas, mais dans les cieux, elle se voit.
Amen, amen. Et j'aimerais vraiment encourager des femmes qui se sentent peut-être vraiment faibles, pas faibles juste physiquement, hein, mais spirituellement, qui ont été tellement accablées par différentes choses dans leur vie qu'elles n'ont plus de force, en fait. Je pense à des femmes dont les enfants sont malades, des maladies longues, comme de l'autisme, par exemple, ou des troubles du comportement, ou des maladies vraiment physiques au niveau d'un cancer, ou des grosses maladies qui font que c'est accablant, ou des femmes dont les maris ne sont pas encore au Seigneur, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, et la persévérance commence un petit peu à faiblir, en fait. Et vraiment, je veux vous encourager, si c'est votre cas à la maison, et le but de cette émission, c'est vraiment ça, ce n'était pas une émission féministe, mais c'est pour que ces femmes, vous qui nous écoutez, qui passez par des temps vraiment difficiles, où vous vous sentez réellement accablées, sans force dans la prière, que vous soyez vraiment encouragées, parce que vous avez une arme puissante entre les mains, ça s'appelle la prière, plus puissante que toute autre arme. Et vous, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, vous avez, comme l'a dit Jonathan, cette compassion, cette détermination, cette faculté de prendre les choses réellement à cœur et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux que vous soyez vraiment encouragés, fléchissez encore et encore et encore le genou jusqu'à l'exaucement de votre prière. Dieu vous entend et vous pouvez, par la simple puissance de votre prière, déplacer des circonstances complète dans votre foyer, dans votre entourage. Vous priez peut-être même pour vos parents qui sont malades, votre mère qui est peut-être en maison de retraite. Il y a des choses difficiles que les femmes ont à porter, à gérer. Soyez vraiment fortifiées et encouragées. À la fin de cette émission, vous allez vraiment pouvoir prendre un temps de prière avec la conviction que vous pouvez déplacer les montagnes par la seule puissance de votre prière. Cette émission doit avoir chez vous le même effet que cette parole de l'ange de l'Éternel à Gédéon. Il a été surpris sur le moment quand l'ange de l'Éternel lui a dit « vaillant héros ». Oui. Mm-hmm. Et peut-être qu'il y a des femmes aujourd'hui, quand elles entendent ce titre « Femme, ta foi est grande », elles disent « bon, ça c'est pour les autres, c'est pour les petites mamies dont on a parlé, ou c'est pour un tel ou un tel, ou ces femmes qui ont amené le réveil ». Et il y en a qui ne se sentent pas concernées en disant « non, non, moi, ma foi n'est pas si grande que ça ». Alors j'aimerais vous encourager en disant « si votre foi est la plus petite des fois qui ne peut exister », c'est-à-dire grand comme un grain de CNV, ça suffit à déplacer des montagnes. Amen. Et donc, ne limitez pas, ne sous-estimez pas la capacité, la puissance, l'autorité que vous avez. Vous avez une grande foi et on honore les femmes, puisqu'il y a plus quand même de femmes qui nous écoutent sur OMCI TV que d'hommes. T'essayes de faire remonter ta cote. Ce sont les statistiques. Donc, mesdames, vous avez une foi extraordinaire. C'est toi qui essayes de faire remonter ton statistique. Jonathan, on va rester avec toi. Tu vas répondre maintenant à une question de Madeleine du Luxembourg qui demande « Comment faire pour motiver mon mari à venir à l'église ?» Et ça peut être le défi de plusieurs femmes. Anne nous disait que tu avais le problème inverse avec ton mari. Mais je pense qu'il y a plusieurs femmes qui ont ce problème puisqu'on voit que les églises sont quand même en majorité remplies de femmes et non d'hommes, malheureusement. C'est ça. Madeleine, dans la question, là, il y a comme plusieurs cas de figure qui peuvent se retrouver dans la même question. Mmh. Est-ce qu'il s'agit d'un mari un peu paresseux, qui aime le Seigneur, mais qui ne veut pas en faire plus bon. Ou alors, est-ce que c'est un mari qui ne veut pas du tout aller à l'église et qui n'est pas intéressé aux choses de Dieu, ou peut-être même carrément fermé. Oui. Alors, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, on va commencer par ça, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tous les matins lui dire « tu dois aller à l'église, il faut que tu viennes à l'église ». C'est rédhibitoire. Parce que, je vais faire un peu de psychologie masculine ici, les hommes, plus vous leur dites, moins ils le feront. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu... C'est une psychologie universelle, hein. Les enfants fonctionnent pareil. Les hommes fonctionnent comme les enfants. Voilà, ça, on le savait, Anne. C'est assez basique, c'est assez sommaire. Si vous insistez, ben, y a un effet de résistance ici. Et finalement, ben, par orgueil aussi, ben, elle va dire ben « non, je ne vais pas y aller parce qu'on me dit d'y aller ». Donc, il ne faut pas être là constamment sur le dos en train… Ce n'est pas ça la motivation, puisqu'il y a le mot « motivation » ici. Mm-hmm. La motivation, elle doit venir autrement. Là, il n'y a pas de chantage non plus à faire en disant ben, « si tu viens à l'église ou si tu ne viens pas à l'église, je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela ». Ça aussi, puis, ça marche avec les enfants. Et on commence avec du chantage. Non, parce que
Mais c'est vrai, hein, on peut. On, bah, dans ma longue expérience, on a vu toutes sortes de situations. Attention à ce que tu vas dire. Situations. Non, je ne parle pas de notre couple, mais je parle de situations que j'ai pu voir dans l'église. Avec des gens qui essayent de tordre le bras de leur mari pour qu'il vienne à l'église, ou alors qui essayent de le culpabiliser, ou alors qui tous les matins vont lui dire « Tu vas aller en enfer si tu ne viens pas à l'église. » Ne faites pas ça, mesdames, ne faites pas ça, ça ne marche pas. C'est sûr que ce n'est pas très motivant. L'apôtre Paul, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, il dit « Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. » Et c'est un verset qui est un petit peu peut-être mystérieux, mais il est en train de dire « Si ton mari est non croyant, ta foi à toi a un effet sur lui, que tu t'en rendes compte ou pas, puisqu'il est question d'un mari qui est sanctifié. Mmh. » Donc, il y a comme un effet bénéfique, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire réaliser que vous êtes une femme de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en vous, que la présence de Dieu est sur vous, et que ça, ça a un effet, que votre mari le voit ou le voit pas, que vous vous en rendiez compte ou pas, ça va amener, ça va produire un fruit. Et c'est évidemment ici dans une dimension spirituelle, il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas de raisonner, il ne s'agit pas d'essayer de convaincre, mais il s'agit plutôt d'être l'inspiration qui, un matin, le mari va dire « j'ai envie de venir à l'église ce matin ». Et on a connu des situations comme ça, où des femmes ont dit « je ne sais pas ce qui lui a pris, ce matin il voulait venir à l'église ». Au bout de 17 ans, ça faisait 17 ans que la femme priait pour que son mari vienne à l'église, elle ne lui disait pas, elle ne l'énervait pas avec ça. Et un matin, il a dit « je vais à l'église avec vous », il s'est converti, fait baptisé, et maintenant il est fidèle. Hein. Ouais. Cassé le... Il ne faut pas dire, bon, ça peut être plus court que 17 ans, hein, mesdames, rassurez-vous là-dessus. Mais de dire que c'est avant tout un combat qui est spirituel, c'est dans la prière que ça se passe, il faut une foi ici, il faut y croire. Il faut croire ce qu'on ne voit pas, il faut croire qu'il va se produire quelque chose et être dans ce mode d'attente et de dire « Seigneur, j'attends de voir ». Évidemment, si quelqu'un dit « mais si on ne dit jamais rien, si on n'encourage jamais, ben, ça, il ne va jamais rien se passer », il s'agit d'avoir un équilibre là-dedans. Mm-hmm. Il peut avoir une conversation de départ qui peut être très franche et très nette en disant « écoute, tu sais, j'ai vraiment envie que tu viennes à l'église, je crois que ce serait bien pour toi ». Mais je ne veux pas te forcer, mais juste te dire que quand tu veux venir, tu seras toujours, je serai toujours content que tu viennes. Mm-hmm. Bon, et le rappeler peut-être de temps en temps, mais pas tous les jours ou tous les dimanches, en disant « tu ne viens pas à l'église aujourd'hui ? Ah, c'est pour regarder la télé ? Ah, c'est quoi ? Il y a un match de foot ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis finalement, on est là. Mais si tu regardes ça, le Seigneur n'est pas content avec toi. Bon, et finalement, on fait un effet contraire. Donc, il faut avoir une conviction, une vie de foi, et puis réaliser que votre temps de prière et votre vie chrétienne, c'est ça qui va parler plus que toutes les paroles que vous allez pouvoir dire. Quand votre mari vous voit en train de prier, quand votre mari vous voit en train de vivre votre foi, ça va lui donner envie d'aller à l'église. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si votre mari dit « si un chrétien sait être comme ma femme, ça ne m'intéresse pas », dans ce cas-là, il y a une remise en question à faire. Hein. Mm-hmm. Mais vous devez être donc le modèle, et le meilleur moyen de motiver, c'est d'être un modèle qui donne envie d'être et de vivre ce que vous vivez. Ben, tout à fait. Très bonne réponse. Merci, Jonathan. Voilà, madame. Mieux un mari qui vient de tout son cœur, d'un plein désir, plutôt qu'un mari qui vient pour faire plaisir à sa femme et qui ne vit absolument rien à l'église et qui s'endort pendant la prédication. Honnêtement, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il dit. Qu'il ronfle. Et qu'il ronfle. Non, parce qu'en plus, il vous met la honte. En plus, quoi. Ça, on va continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes un livre pour les femmes. Oui, oui, « Femme de foi » de Debbie Lindell. Debbie. Oui, c'est vraiment un livre, c'est vrai, on va pas mentir non plus. C'est vraiment non, un livre pour pas, les femmes. Non, bonjour chez vous. Merci pas comme Nadine, quoi, je veux dire. Nadine, elle n'a pas des post-it horribles, en tout cas. Arrête. C'est un mot de toi, en plus.
comment, c'est un livre qui a été écrit par une femme, mais pour les femmes, j'imagine pas spécialement un homme lire ce livre, mais en tant que femme, on retrouve beaucoup de situations et beaucoup de questionnements, de réflexions. Elle partage beaucoup de réflexions, comment elle s'est sentie à travers certaines épreuves qu'elle a vécues. Mmh. Et c'est ça aussi, dans le parcours des femmes, qui peut faire du bien, c'est de se dire je suis pas toute seule à m'être posé cette question-là. Et pourtant, ce jour-là, je pensais vraiment être seule au monde. Et elle raconte donc beaucoup d'anecdotes, mais il y en a une que j'ai retenue d'elle. Elle a passé un entretien avec son mari dans une église pour être embauchée en tant que pasteur. Et elle dit, au bout d'une heure, à la fin de l'entretien, le pasteur me jeta un bref coup d'œil avant de tourner à nouveau les yeux vers John, donc son mari. Et de sa voix claire et bien timbrée, qui semblait capable de monopoliser l'attention, vous voyez, elle écrit vraiment bien. Il conclut, eh bien John... Il marqua une pause. Je constate que vous êtes un jeune homme très prometteur. Sur une échelle de 1 à 10, je vous mettrai sans doute la note maximale. Oh, c'est bien. Wow. Il s'interrompit de nouveau et tourna les yeux vers moi. Mais quant à votre épouse, je ne lui mettrai que 4. Oh. Ça calme. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Elle dit, en entendant ces mots, j'eus le souffle coupé. Puis il ajouta, et ça c'est assez waouh, elle sera votre boulet. Oh, c'est horrible. C'est horrible de dire ça. Et elle dit, tandis que ces paroles se gravaient dans mon cœur et mon âme, j'avais l'impression que toutes mes fautes et tous mes défauts avaient été bien mis à nu, bien que j'ai fait de mon mieux pour les dissimuler. Et comme ce pasteur avait détecté rapidement que je n'avais pas grand-chose à offrir, ce que je redoutais le plus, empêcher John d'aller là où il le voulait pour exercer son ministère, c'était réalisé et je lui fermais la porte. Et en fait, au final de cette histoire, je précise quand même, ils ont quand même été embauchés parce que bon, avec son 10 à lui et son 4 à elle, ils arrivaient dans la moyenne. Et elle dit, avec du recul, c'était très difficile de servir, surtout dans le cadre du ministère, quelqu'un que tu sais pertinemment et qui croit pas en toi, qui te prend parce que le mari en vaut la peine, mais toi t'en vaux pas la peine. Mais ça a été extrêmement formateur et que c'est dans ces moments-là qu'elle a appris à découvrir sa vraie valeur, sa vraie identité. Ça a été extrêmement douloureux, mais elle s'était tout le temps dit, elle a tout le temps lutté avec un sentiment profond de nullité. Et du coup, bah, ça a été l'occasion rêvée pour pouvoir en guérir une bonne fois pour toutes. Elle partage aussi quand elle a eu le cancer du sein, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein, donc tout son parcours par rapport à ça, son parcours de foi, ses questionnements qu'elle a eu, mais comment Dieu l'a soutenue. Elle partage aussi des moments où ça a été difficile dans son couple, où ils ont vécu énormément de pression, et elle le raconte avec beaucoup de transparence. Elle s'est demandé si son mari avait pas une liaison, et puis finalement elle a vraiment saisi, et je vais pas le lire parce que c'est vraiment tout un chapitre où elle explique tout ça, mais en gros elle a saisi son autorité dans la prière. Au lieu de se poser des questions, de se morfondre, elle sentait son mari s'éloigner, elle a commencé à prier dans sa maison, elle a prié dans son bureau, elle a prié devant ses vêtements, elle a prié devant ses chaussures, elle a prié partout où il allait, et finalement, bon, elle lui a demandé est-ce que t'as une liaison, puis lui a dit « Je n'aurai jamais le temps, de toute manière, pour avoir une liaison. » Et elle s'est dit « C'est vrai, en fait. » Elle a été cassée plusieurs fois dans sa vie, quand même. Et elle raconte comment ils ont repris une église où il y avait 85 personnes. Et aujourd'hui, c'est une très grande église aux États-Unis. Elle est devenue responsable du ministère des femmes. Elle organise des conférences qui rassemblent 10 000 femmes une fois par an environ. Donc vraiment, on voit le travail que Dieu a fait en elle. C'était une jeune femme qui aimait le Seigneur, mais qui avait pas beaucoup d'estime d'elle-même, qui luttait beaucoup avec ce sentiment donc de nullité. Et elle raconte, femme de foi, vivez la vie à laquelle vous avez été destinée, parce qu'aujourd'hui, vraiment, son champ de bataille, c'est que les femmes puissent arrêter de se faire voler à cause d'émotions, de sentiments, de mensonges. Donc c'est un livre qui est très encourageant, très féminin, à lire avec un bon café, bien s'installer, et voilà, qui est disponible bien sûr sur EMC Boutique. Merveilleux, une merveilleuse boutique EMC Boutique. Moi, je la recommande, écoutez. Allez, on continue maintenant avec la rubrique témoignage. Mademoiselle Tchatchou, tu nous partages un témoignage d'une femme dont le mari a été libéré d'une addiction à la télévision. Exactement, elle s'appelle Mélina.
Et vous allez voir que, comme elle va le dire dans son témoignage qu'on va regarder bientôt, mais elle avait son mari, elle, plus la télé, et c'était ça leur ménage, en fait. C'est ce qu'elle appelle un ménage à trois. Et elle nous raconte comment est-ce que le Seigneur est intervenu dans sa vie. Elle a fait une petite vidéo qu'on peut regarder. Bonjour, je m'appelle Mélina, je suis de Seine-Maritime et je veux rendre un témoignage à la gloire de Dieu et à lui seul. Je suis mariée depuis 27 ans et j'ai vécu un ménage à trois. Il y avait donc mon mari, la télé et moi-même. Et pendant 27 ans de mariage, j'ai voulu changer mon mari pour expulser cette idole qui a tout rongé dans notre vie de couple. Et jusqu'au jour où Dieu m'a demandé d'honorer mon mari et de le respecter dans ses choix. Et c'est ce que j'ai fait. Et au mois de mai dernier, la femme de notre pasteur a invité mon mari à regarder les émissions de MCI. Et il a regardé donc une émission avec Audrey Mac sur la télévision et prière inspirée sur comment vaincre un péché dans nos vies. Et notre vie a terriblement changé en bien. Il y a eu un miracle que je ne croyais pas possible. Mon mari a été instantanément délivré de la télé. Et maintenant, nous prions ensemble, nous nous levons de bonne heure le matin pour pouvoir prier, pour pouvoir dialoguer. Et ma vie de femme a vraiment changé parce que maintenant, j'ai de l'importance aux yeux de mon mari. Il prie pour moi à haute voix. Il m'appelle sa bien-aimée, chose qui m'était jamais arrivée. Et je veux vous encourager dans vos émissions respectives, mais surtout je veux rendre gloire à Dieu parce que le miracle que je ne croyais pas possible est devenu la réalité. Waouh, c'est bien. Oui, oui, très beau témoignage. Et quand elle nous parle un peu de son parcours, elle nous dit que son mari, en fait, il était chrétien, fils de pasteur. Donc vraiment, quand on est dans cette situation-là, on peut se dire comment ça se fait qu'un chrétien, fils de pasteur, peut être aussi addict avec la télévision. Exactement. Et ce qui est aussi très bien dans son témoignage, c'est que comme elle a dit, en fait, elle a juste délaissé ses propres méthodes pour aller chercher le Seigneur dans la prière. Là, on est en train de parler des femmes qui prient et c'est exactement ce qu'elle a fait. Et au bout de 27 ans, elle avait tellement essayé des choses. Elle a essayé des cris, des pleurs, parler. Il n'y a rien qui a fonctionné. Et au final, elle aurait dû y penser. Elle aurait dû y penser, mais j'y aurais pensé. C'est pas mal. Ça, c'est un bon moyen pour avoir une télé neuve. Mais tout ça n'a malheureusement pas fonctionné. Il n'y a que la prière qui a fonctionné finalement. Et puis, elle nous a parlé des émissions qu'il a regardées sur EMCI TV. Et elle dit que voilà ce que moi, j'ai essayé de changer depuis 27 ans. Dieu l'a fait en une fraction de seconde. Mm-hmm. Et vu que EMCI TV, on sait que c'est aussi une télé. Hein? Ne regardez pas trop. Elle a juste dit, mais pour elle, elle a dit déjà, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu le foot. Elle dit que c'était pour elle l'épreuve ultime. Et là, ils ont réussi à passer ce câble-là. Son mari n'a pas regardé la à la télévision. Wow. Ils ont sûrement regardé la finale quand même, j'espère. Ouais, il dit que non, c'était la mise à l'épreuve suprême. Wow. Et que là, il a passé cette épreuve-là. Ah, c'était lui, champion du monde. Trop fort. Hein. Mais puis, elle dit la seule fois où nos écrans sont allumés désormais, c'est pour regarder EMCI TV ensemble. Quel miracle! Et vraiment, elle bénit le Seigneur. Et nous aussi, on rend gloire à Dieu. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, je tire mon chapeau à la femme du pasteur qui a eu un si bon conseil. Oui, mais c'est génial. C'est génial, vraiment. Hein, c'est des bonnes émissions, en plus, parce que sur la télévision, libéré d'un péché, il a bien choisi ses émissions, quand même. Hein. Moi, je trouve ça génial. Parce il ne les a pas choisies. Il a été inspiré. Là. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est ce que je voulais dire, Joël. Excuse mon manque de spiritualité. En tout cas, moi, je trouve ça génial parce que ça peut vraiment pourrir une vie de couple. Ouais. Ça paraît anodin comme ça, mais en fait, c'est une vraie addiction. Et puis, ça bloque complètement toute communication, toute communion dans le couple. Mmh. Et c'est des femmes qui souffrent en silence très souvent parce qu'elles ne peuvent même pas l'exprimer puisque ça va empêcher leur mari de regarder la télévision quand elles s'expriment. Mmh. Donc, ça peut vraiment être lourd. Et c'est encourageant de voir ces témoignages de cette femme. Félicitations, Mélina, vous avez persévéré dans la foi. Et j'espère, mesdames, que vous avez été
encouragé par cette émission, que vous avez été fortifié même au niveau de votre foi et que vous croyez que vous êtes capable, comme l'a dit Jonathan, malgré votre petite foi, la plus petite qu'il soit, de déplacer des montagnes dans votre vie, déplacer toutes sortes de montagnes, peu importe les circonstances par lesquelles vous passez. La prière est vraiment la solution la plus efficace. Les femmes, on aime beaucoup parler, ben, parlons plus dans la prière et un peu moins sans la prière. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Renonce à tes mauvaises habitudes ». Un formidable thème. Et nous aurons une rubrique « Famille » avec Jérémy qui parlera de ces couples, de ces, en tout cas ces personnes qui ont de mauvaises habitudes dans le couple, qu'elles doivent changer. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.